L'association ici s'appelle Wakamanagi. Ça veut dire âme animale en Lakota. L'idée de ce lieu, c'est une idée forte pour nous. C'est si on veut changer un petit peu quelque chose à tout ce qu'on ressent de ce monde et qui ne nous plaît pas, c'est sortir de la matière et rendre de la conscience. Alors, pas pour rentrer dans. D'abord, on a donc Aria, qui est une petite puce là, qui vit régulièrement dans la ferme maintenant. Et on va la soigner parce qu'en fait, elle mange pas beaucoup et on aimerait bien qu'elle mange un petit peu plus, qu'elle ait un peu plus d'appétit et tout ça. Donc, ce que je suis, si on met des étiquettes, c'est que je suis vétérinaire à la base. Je suis ostéopathe ensuite, y compris ostéopathe sur les humains. Et je me suis mis à faire de l'ostéopathie en chantant du chant diphonique. Parce qu'en fait, ce qu'on découvre au fur et à mesure, donc ça fait quasiment 30 ans que je soigne avec les mains, ce qu'on découvre au fur et à mesure, c'est qu'un corps, c'est quelque chose de vibrant. Et puis que la mise en résonance du corps, ça passe par le son. Ce que l'humanité a toujours su, hein. Il suffit d'un tambour pour mettre en transe, il suffit d'un Icaros pour parler aux plantes en Amérique du Sud, il suffit d'une marche pour emmener les soldats à la guerre, d'une berceuse pour faire dormir un enfant. Mais il y a plein de gens qui sont allés jusqu'aux soins avec, mais c'est pas du tout dans notre culture et j'ai dû tout réinventer à ma façon. Et donc plutôt qu'un long discours, on peut faire avec Aria le soin, qui avec la résonance en fait est très rapide. Donc voilà un petit book qu'on a récupéré sur la route avec sa copine qui était morte accidentée et lui qui a très mal à une de ses pattes avant là et donc juste récupéré, donc un petit peu affolé et donc l'idée c'est effectivement de le soigner comme on a soigné beaucoup d'animaux ici qui est un lieu un petit peu sanctuaire pour nos petites bêtes autant qu'on puisse accueillir. Oh.
soigner de manière sensible et quelle qu'elle soit, c'est ce qui est fascinant, c'est la façon dont les animaux commencent à nous regarder en disant « Ah, enfin, un humain qui comprend quelque chose. » Voilà. Et c'est ça qui est important. Et je crois que tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas de soin, en fait. C'est juste quelque chose technique qu'on greffe sur... et où on n'a pas compris. Alors, des fois, ça marche, entre guillemets, mais l'essentiel du soin, pour moi, c'est largement autre chose. C'est d'arriver à cette espèce d'adhésion avec le champ de conscience de l'autre qui fait que tout d'un coup, hop, ça se déplie tout seul. Et...